Ça, c'est un superbe retour au parc. On a eu le train, magnifique. Bon, alors, on va passer aux choses sérieuses. On va vers le bureau des passeports annuels. On se retrouve tout à l'heure. Alors, je suis méga heureux et ruiné. Je m'explique. Donc voilà, on a été faire donc ça. On en a encore pour 2 semaines. Les Dreams. On les a transformés en Infinity. Magnifique. Ouais, c'est bon. Alors, 3, je vous laisse faire le calcul, j'en ai eu pour 1200 €. 1200 €. Bref, soit on est aux patates à l'eau jusqu'à la fin de l'année, ou alors, ce que je propose éventuellement, c'est de la location ou de la vente. Ça dépend le prix qu'on m'en propose. C'est, voilà, bonne tête de vainqueur. T'as quelque chose à dire? C'est pas un argument de vente, là. Faut que je rembourse ça. Je suis drôle. Bon, blague mise à part, super content, on vous expliquera, vous connaissez la Sony Infinity, j'imagine, mais entre les accès prioritaires, les emplacements prioritaires pour les spectacles, les réductions sont intéressantes, l'objet est beau, on est une élite et on assume. Sera attribué. Veuillez vous placer sur ce numéro et attendre votre voiture. Merci. Attaché. Pour faire avancer votre voiture, appuyez avec votre pied sur la pédale. Please do not bump the car ahead of you or stop your car in the middle of the track. Thank you and have a safe and fun drive. Attention à tous les conducteurs d'Autopia. Veuillez rester sur le bord de votre voiture. Une fois installé à bord, restez assis et conservez. Attention à tous les conducteurs du Nokia. Thank you.
South Park area, please be patient until the car passes through the park. Attention, conducteur de Tokyo. Vous êtes sur le point de débarquer. Veillez à ne pas tamponner la voiture se trouvant devant vous. Lorsque vous aurez atteint un tel débarquement, laissez la porte. Ah, là, je viens de voir quelque chose, je crains le pire. Non, pas de licorne. Pad. J'ai échoué. Elle l'a pris. Dans Toy Story 3. Bref. C'est dans Toy Story 3 ? Unicorne. Oh, regarde de l'eau. Plouf ! Non, je blague. On la garde. On la... Coucou ! Elle veut pas apparaître, mais bref. Autre petit achat. Nouveau sac. Voilà. C'est pas une nouveauté, hein. Du moment que c'est dans le parc, on l'avait pas. Sinon, on l'aurait pas acheté. Parfois, j'ai des trucs, c'est complètement stupide. Je suis vraiment désolé, hein. Je suis très fatigué aussi. Ça vous intéresse pas, mais je le dis. Hop, tac. C'est pas fini. Plus viril. Voilà. Profitez-en, je sais pas combien il en reste, il est à moins 50%. Alors pourquoi ce t-shirt ? Parce que regardez bien les personnages, fans de Marvel. Vous voyez un petit peu les raretés ? Il y a même Carnac. C'est quand même balèze. Voilà. Donc ça, c'est pas tous les jours qu'on trouve ce genre de personnage sur un t-shirt. Et ensuite... on te débat quand même. Je l'avais vu aux États-Unis. Il est arrivé ici. Voilà, Thanos. Ce que j'aime dans le concept, c'est qu'on a... Enfin, ce qui serait intéressant, ce serait de cacher ma main. Bref, une autre fois peut-être. On a vraiment l'impression que c'est Thanos qui tient le mug. Ceux qui n'ont pas encore vu Infinity War, allez-y. Sérieusement. Vous pouvez voir sur d'autres vidéos qu'on a fait, on en parle. Allez le voir. Un petit Big Thunder Mountain. Les jets d'eau marchent à fond la caisse. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais on est trempé. Enfin, j'essaie de nous montrer, mais... Voilà. Je sais pas ce que ça rendra. Par contre, toujours pas de fumée au niveau de l'explosion. Alors là, franchement, réveillez-vous les gars, l'explosion, c'est génial quoi. Il nous faut la fumée. La fumée, à l'explosion. Ça fait... Il y a la fumée. On peut ? Merci. T'es d'accord avec moi ? Ouais. Il est d'accord avec moi. Here!
Bon, je viens de mettre en boîte Happy Anniversary Disneyland Paris. Ça fait plus d'un an maintenant que le show se produit chaque jour. Donc ça, ce sera sur une autre vidéo. Là, je suis tout seul. Ok. En fait, je pense que le thème des vlogs, ce sera comment perdre les autres. ça devient une spécialité. Donc là, normalement, on devait aller au studio pour manger. Je vais y aller seul. Ce qui est bien, parce que j'ai pas mon portefeuille avec moi, j'ai même pas mon passeport. C'est ma femme qui a tout, donc c'est drôle. Trouvé. Bon. Vous avez perdu. Hein. Il va être 13h30, ce qui pour moi est dramatique. D'habitude, je mange à midi, midi et demi au plus tard. J'ai toujours pas mangé. On doit aller au studio pour manger. Fidèle à elle-même, Paddy est passé devant Harrington, s'est réfugié à l'intérieur. Je sais pas si on mangera à midi, à 13h, 14h, je sais pas. On va enfin vers le studio, on vient de franchir l'hôtel, on attaque Fantasia Garden par la droite. C'est intense ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai faim, je veux juste manger en fait. Je vais me prendre, je sais pas, des feuilles là, je vais les bouffer. Faut que je mange. En fait, elle était en train d'acheter un Charms. Il y a un arbre. Donc voilà. Bon, on va manger, j'espère. Bon, c'est pas Café des Cascadeurs comme je voulais, beaucoup trop de monde. Donc on est au Café Blockbuster, qui est vraiment à l'image de ce qu'a toujours été le studio, c'est-à-dire quelque chose de bâtard. Avant, il y avait un côté High School Musical qui a été vite transformé en côté Iron Man. L'autre côté, c'est Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, c'est sympa à voir, mais en même temps, ça se prête pas au studio, selon moi. Oui, Café Blockbuster, Pirates des Caraïbes, Blockbuster. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Et sans vraie transition, on passe avec des affiches Iron Man un peu partout. Elles sont géniales les affiches, mais c'est pas ce que j'appelle une thématisation. C'est la vie du jour.
Du coup, oui, je reviens. Pour ceux que ça intéresse, c'est menu pizza pour moi. Voilà. Tu regardes sur la tour. Mais pas de moche. Est-ce que c'est bon? D'accord. Les heures, s'hydrater, c'est important. C'est du soda, faut pas boire de soda. Il faut s'hydrater. J'espère qu'on pourra toujours s'hydrater dans le futur. C'est pour toi, Jean-Claude. On va vous laisser. Ainsi se termine cette petite journée pour nous aussi. Le sac que j'ai montré tout à l'heure avec les Mickey, en fait, elle l'a rendu. Je sais que ce n'était pas nécessaire aujourd'hui, je sais pas. On reprendra peut-être une autre fois. Donc voilà, beaucoup de musique. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous connaissez les gens qui nous regardent, qui ne sont pas abonnés, demandez-leur de le faire. Je ne veux pas faire le mendiant, mais c'est très très important pour nous. Ça permet à la chaîne de grossir et de peut-être mieux vivre un jour. Voilà, bye bye. En fait, le sac ne fut pas juste rendu, il fut échangé contre ceci. Je l'ignorais. Yuck! Venom! Have you ever heard of a breath mint? Wow! Venom is out of control! I need to call in some help on this one. With great power comes great responsibility. Venom's able to scramble my spider senses. I can't tell where he is. Have no fear! Spidey's here! Here's your friendly neighborhood Spider-Man! Ugh! Punching Venom is like sticking my hand in the mud. Here's web in your eye! Ever have one of those days when your arch enemy just won't give up? Yuck! Yuck! Venom! Have you ever heard of a breath mint? Wow! Venom is out of control! I need to call in some help on this one. With great power comes great responsibility. Venom's able to scramble my spider senses. I can't tell where he is. Have no fear! Spidey's here! Here's your friendly neighborhood Spider-Man! Ugh! Punching Venom is like sticking my hand in the mud. Here's web in your eye. Ever have one of those days when your arch enemy just won't give up?